aliswali mtashiwa aritaishia arinika karijaveshea bayetarehi irieshea. Hey, isise jakla tu komori ya hatu na mzirenge hao mzirenge. Je viens vous dire qu'en prenant l'indépendance, dès que mon avait rien, mon a saisi la chance. Je vous rappelle que la France, irritée par la rapidité de la prise d'indépendance, se lance dans des menaces, dépassées par les événements. Ils ne savent que faire, ils réagissent avec colère en décidant de capérer maillot sur leur gérance. Une chance, une libération, Ali Swali pour les règnes de la nation. Mission numéro 1, installer un état d'évolution. Mission numéro 2, organisation des Comores nations nouvellement indépendants. Ali Swali dans l'urgence, essaie de récupérer Mayotte, notre île sœur. Mais la rancœur des blancs est trop fort à l'intérieur des Comores. Mort libre, Ali Swali installe son régime pour un joint. Moëli Ngazidja, action, réorganisation, la vie sociale, fini l'époque coloniale. Dans la population, chacun sa participation, chacun sa contribution. Partout dans les régions, on installe les communes, tout le monde travaille pour le bien commun. La civilisation de toute une nation, le travail acharné comme seule option. En deux mois, Ali Swali a fait plus que durant 100 ans de colonisation. C'est vrai, les colons, ils ont installé leur école, nous aurons plus leur culture, leur civilisation, c'est bien. Mais c'est des malins ces gens-là. Ils nous ont jamais appris comment gérer notre nation. Ali Swali le savait que pour combattre les illusions de la colonisation, ça allait être chaud. Mais il a pas laissé béton jusqu'à qu'on tue parce qu'il avait compris que les Comores étaient comme or. Et nos Comores, Babylone a tenté de faire couper la pilule. Ali Swali, mais il a refusé. Il a dit non à la néocolonisation, non à la corruption, non aux traditions moyenâgeuses. C'est pourquoi ils l'ont buté, parce qu'il avait pris position dans le bon côté, dans le bon côté. Ali Swali, but can't kill the revolution. They've killed Ali Swali, but can't kill the revolution. Ils ont buté Ali Swali, le peuple tue la révolution. Ils ont buté Ali Swali, ne peuvent tuer la révolution. Ils l'ont buté sans réflexion. Ils l'ont buté car il a fait plus position dans le bon côté. Ils l'ont buté pour de l'argent sans gêne à base de mercenariat. Lui qui avait pris conscience que sans une révolution vraie et véritable, les Comores resteraient toujours dans la même situation que durant la colonisation. Ali Swali voulait enterrer la corruption, maladie de la colonisation, installer l'égalité au sein de la population, élimination des privilèges. Tout le monde a droit à son petit déj en fonction de son travail, y'avait pas de chômeurs même dans les prisons. Si tu fais le con, on te met en prison. Arrivé, pas le temps dormir, faut que tu travailles pour l'intérêt public. Ali Swali voulait le bien du peuple, mais y'avait un hic, y'avait une clique de diaboliques, des chats noirs assoiffés de fric. Ils l'ont pas laissé respirer, ils ont collaboré avec les bérets rouges et le sang rouge d'Ali Swali a coulé. Les Comoriens ont pleuré, les services secrets français se sont marrés. Pour eux, le coup a marché, mais ils ont pas tout pigé. Ils ont buté Ali Swali, mais ne peuvent tuer la révolution. Elle est là, là, dans nos cœurs, dans nos gestes, dans nos têtes, dans nos textes, dans nos pulsions. They've killed Ali Swali, but can't kill the revolution. They've killed Ali Swali, but can't kill the revolution. Ils ont buté Ali Swali, ne peuvent tuer la révolution. Ils ont buté Ali Swali, ne peuvent tuer la révolution. Ils ont buté Ali Swali. Mais c'est qui ces gens? Des gens de mauvaise volonté, tu sais. Y en a plein dans ce monde, des gens ils mangent plus, je sais pas pourquoi ils l'ont buté. Ils l'ont buté pour de l'argent, mais aussi parce que Ali Swali avait vu grand et ça tracassait les grandes puissances coloniales. Ils l'ont buté parce qu'il était conscient qu'il était temps que ça change. Il voulait abolir les mensonges politiques, offrir une nouvelle tournant aux Comores trop souvent habitués au mauvais tournant. Ils l'ont buté car il avait l'acharnement de Kunta Kinte. Il savait que si chaque citoyen se positionnait dans son village pour cultiver son bout de terrain, il n'y aurait pas de chômeurs dans les villages, dans les quartiers. Il n'y aurait pas tous ces bidonvilles qui font pitié. Ouais gars, ils l'ont buté car il était lucide, rapide, intrépide. Man, imagine 2 ans de règne jusqu'à maintenant, reste gravé dans l'histoire comme un guide. Basi wananchi, anga mwaju wao ema adui wa ile taifa la Comore. Wananchi na mwaju wao e adui wa handani mjumwema adui kwa ile taifa la Comore. Ndo Ufaransa, ndo la Faransa. Wananchi narike makini rishidi yenu gamreje e adui wa handani wa hatu ndo Ufaransa, ndo la Faransa. They've killed Ali Swali, but can't kill the revolution. They've killed Ali Swali, but can't kill the revolution. Ils ont buté Ali Swali, ne peuvent tuer la révolution. Ils ont buté Ali Swali, ne peuvent tuer la
révolution fertile. Ali Swali, Batkenkin, the revolution. Fertile. Ali Swali, Batkenkin, the revolution. Ils ont buté, Ali Swali, ils peuvent tuer la révolution. Ils ont buté, Ali Swali, ils peuvent tuer la révolution. Fertile. Ali Swali, Batkenkin, the revolution. Fertile. Ali Swali, Batkenkin, the revolution. Ils ont buté Ali Swali, ils peuvent tuer la révolution. Ils ont buté Ali Swali, ils peuvent tuer la révolution. Imwana damu faransa.